VOD. J'ai lancé la VOD. On est sur Subnautica et je vais enfin partir en expédition et on a déménagé. Est-ce que j'ai fait une VOD depuis que j'ai déménagé? Bah non, du coup, c'est ma première VOD ici. Je vais vous montrer. Voilà, je suis allée dans un endroit assez joli avec de l'espace. J'ai une chambre d'immersion où il y a mon aquatracteur et pour le moment c'est tout, j'ai que deux pièces. Ah non, trois en fait, il y a un étage ici avec le filtre à eau et le truc pour les piles. Je viens quasiment de tout faire là, vraiment. On a déménagé et du coup on est ici. Dans une zone, ma foi, jolie, pratique, spacieuse et on n'est pas très très loin d'un geyser. Pour refaire une centrale thermique, mais il me manque un matos que j'ai pas encore. Et on a aussi pu améliorer l'aquatracteur. Et franchement, c'est cool. Voilà. Voilà, voilà. La dégène mobile. Ah, c'est comme ça que je vais l'appeler. Et oui, oui, t'as raison. Faut peindre et tout. Ben, on va faire ça en VOD. Alors. Ah, j'ai un fabricateur. Est-ce que je peux avoir un stockage? Post-combustion. Puissance, mais j'ai pas encore ce qu'il faut. Ah non, je peux pas encore. Ah dommage, j'aurais bien aimé avoir un petit stockage pour mon aquatracteur. Alors, la dégène. Main sur. Dégène. Mobile. Ça, c'est très bien. Et ensuite, au niveau des couleurs, qu'est-ce qu'on fait comme couleurs? Des couleurs discrètes. Moi, je suis plutôt adepte de la discrétion générale. Attendez, ça, on va faire un peu dans du fuchsia. Voilà. Ça, un petit jaune. L'intérieur, un petit bleu foncé. Ou un petit vert cyan, tiens. Et le nom. Le nom. Le nom en violet. Ok, fais voir. Oh, c'est illisible. C'est horrible. Attendez, je vais mettre le nom dans une couleur au moins où je peux le lire. Ça me déprime, si. Alors le nom, je peux le mettre en bleu cyan. L'intérieur, on voit pas du tout la diff. Donc je vais faire ça peut-être genre en blanc. Ouais. L'intérieur, je fais ça en rouge. Les bandelettes. Pas jaune, c'est bien. Oh, pas mal ça. Tu vas voir ? Ouais, c'est nickel. Là, je le verrai de loin, mon machin. Il est parfait. Tu as construit dans une zone inondable, tu crois? C'est vrai que je suis dans une cuvette. C'est vrai. Merde. Voilà. La dégène mobile est parée. Ow! Putain, ça y est, je suis déjà bien, t'inquiète. Ça désirait pas. Ça désirait pas. Ah oui, j'ai un découpeur laser aussi. Bref, j'ai fait plein de choses. Comme vous avez pu le constater, j'ai déménagé, mais j'ai laissé mon petit bout de base et vraiment, on n'était pas loin. En gros, pour montrer à la VOD, on était là-bas. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Voilà, on voit le petit zizi de ma base. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Oh ouais. J'étais où? Ah là, punaise, j'ai galéré. Voilà. J'ai laissé ce petit bout de base. Ensuite, là, l'objectif, ça va être de... Alors, on a un artefact à aller chercher. Alan nous en a envoyé plein, là, à aller chercher. Dernière position connue du pilote. Je pense que ça va être ça, mon objectif. On a découvert un gros trou, c'est une mine. Où j'ai pu avoir mes premiers diamants. On a aussi, voilà, un autre appel extraterrestre. Je vais essayer de faire dans l'ordre. J'ai eu... Ça, ça fait partie du premier truc que j'ai eu. Donc, je vais essayer d'y aller. Et si possible, trouver de la magnétite, ce serait trop cool. Voilà. Et sinon... Sinon ça va, c'est bien. Et j'ai aussi une batterie sur moi d'avance, s'il faut. Voilà.
ça. Ah ouais, j'étais dedans. J'étais dans la map. Oh, je trouve. Sauvegarde avant de partir, moi. Dans le doute, sauvegarde ici. Pas très loin de la maison, ça va. Mes poches sont vides. J'ai pas pris de bouffe. J'en ai sur moi, mais bon. Ça fait bugger le jeu. Mais c'est le jeu, il se débrouille pour bugger tout seul, hein. Le wagon, c'est pas dans la plateforme mobile que tu l'as construit. Le stockage était en wagon. Ah, je pensais qu'on pouvait avoir quand même un petit stockage, pas en wagon. Ah mince! Mais c'est vrai que c'est, ça fait partie des améliorations qu'on avait de base dans le premier, donc on les aurait vues, je pense. Et voilà, on peut aller jusqu'à 300 mètres. Non, avec les cils. Voilà, c'est des connards et j'en joue pas. La bannière de Bouddha! Merci beaucoup pour le raid! Merci pour ta douce présence. Il était sur Alien The Dark Descent et on a parlé de Alien tout à l'heure. Et enfin, je dis ça parce que quelqu'un est arrivé en parlant d'Alien, tout ça, tout ça. Tout à l'heure. Et alors, t'en as pensé quoi du jeu? Bah, t'as fait un long live dessus, donc c'est quand même qui t'a plu. Hello Aurel! Ça va? Je vais où là? Ah bah oui, non mais c'est bon, je suis au point. Voilà. Dernière position connue du pilote et du coup j'imagine qu'il faut qu'on retrouve un signe que le pilote est passé par là. Oh la baleine, elle est jusqu'ici, elle est trop peul. La baleine, elle est trop peul. Regardez ma voiture. Regardez le raid de ma voiture, attendez, je vous montre. TG de mobile. On voit pas mais elle est violette. Oh mais le côté nacré est sublime. Voilà. Je vais avoir du jeu, bah oui ça c'est bien. Des bisous Red, des bisous. Bonne nuit, tout ça, tout ça. Et pour rappel, on va jouer avec Aurel jeudi. Ah je sais plus quel jeu, mais dans le doute j'ai pris les deux moi. Je me rappelle plus. We were here together, we were here forever. Bref, j'ai pris deux. Pareil. Ah, on est tellement à l'arrache. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ah putain, il y a un artefact par là. Bon voilà, on fera un des deux jeux quoi demain. Enfin jeudi, ça c'est sûr. J'ai plus lequel. Mais un des deux. J'ai tout pris. Oh là là, ça me donne envie de tester un truc. J'ai tout pris, mais j'ai pas préparé. J'ai pas préparé. Je sais pas où il est. Il a dépensé sans compter. J'ai galéré au début, mais il est vraiment bien une fois. J'ai parlé un petit peu comme ça. Ouais, mais j'ai pas lancé. Ah, j'ai pas lancé Snap Cameras. J'ai pas de raccourci pour tout ça, moi. Va falloir que j'y mette. C'est là. Ça doit être là. Ça doit être ça. Non. Ah. Merde. Non, j'ai dépassé la mauvaise caméra. Oh, le mythe est foutu. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il a dépensé, sans compter. Il a tout pris. Tu t'es tout pris, Aurel. Pourtant, j'étais pas là cette fois. Oh là là, ça me fatigue. Allez, 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 dégage. Bon, il est où mon... En vrai, ma... Voilà. Ah, mais...
Mais pourquoi le cadre est si petit? C'est trop bizarre. Elle subit sa création. C'était... Il y a un peu de ça, ouais. Voilà. Voilà, voilà. Ah, c'est bon, il est prêt au cas où. Il est prêt. Ah, mais je vous gêne un peu. Punaise, attendez, ma batterie, elle est usée et tout. Attends. Bon, je dois explorer, moi. Je dois, je les frappe pas dingue. Salut, Connoqueur, du coup. J'ai peur des gens de l'eau et pourtant, ça fait moins peur. Ça me fait moins peur que Pikachu. Allez, à plus tard, Bernard. Prends tout, putain. Des bisous, Aurel. Je lis les messages en décalé. Mais il est dur. Et du coup, les combats, ils sont comment, Booba? Pour revenir à Alien... à non, Alien... C'est le meilleur. Ah bah, ça, on le savait. Merci. Alien... J'ai oublié le sous-titre du jeu. C'est du tour par tour? Ça ressemble à du tour par tour, un peu. Bon, eh ben, j'explore le bon endroit, par contre, et il va falloir que je me faufile un peu. Ou alors... Ah, mais attendez... Dernière pilote, dernière position du pilote. Peut-être qu'il faut que j'aille ici. Dans une sorte de teubro. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, petit œuf! Il est trop mignon! Je prends tous les œufs que je croise. C'est super parce que ça prend pas plein de place pour rien. Mais au cas où. C'est mon mot, c'est ma phrase que j'ai. Merci Aurel. Merci Aurel. Non. Après avoir tout pris, il m'envoie tout. Merci beaucoup. Ok. Ah, ici. Ici, c'est bien. Dark Descent. Pas tour par tour. Tu mets pause pour donner tes ordres. Ah, d'accord. C'est un peu de la stratégie, en fait. Ok. Je n'avais pas pensé à ça. Merci pour le shootout. Vous allez faire shootout à Booba? Oui, je pense. Ça, c'est votre... ça vous y pensez, ça. Oui, j'ai vu. Je dis je pense, mais je l'ai vu en plus. Marchu, vous êtes pipou, marchu beaucoup. Merci, Infernalou. Alors, dernière position du pilote. Alors, c'est super, mais j'ai l'impression que là, j'explore une zone un peu où il n'y a rien du tout et que c'est tout pourri. Alors, j'aimerais bien y remédier. En fait, faut que je trouve un moyen, en gros, d'aller plus profond. Voilà, en gros. Un peu stratégie, un peu action, un peu stress, un peu tout. Ok, original en vrai. C'est peut-être pas mal ici, voilà. Ah, j'ai failli me cogner. Non, j'ai pas failli, je l'ai bien fait. Ah oui, alors c'est peut-être pas mal, mais je suis à 300 mètres là. Oh là là, mais ça va si vite. Allez, on descend. On descend plus profond, justement. Ah, mais j'ai pas... Ah, mais c'est de l'uraninite, c'est pas du... Ok, l'uraninite. Ah, mais je peux peut-être trouver de la magnétite. Ici. Et eh ben encore merci pour le raid en tout cas. Nous, on est sur du Somnotica bilo 0. Et j'ai enfin une petite base à peu près potable et spacieuse. Et du coup, je suis partie en expo pour essayer d'avancer un petit peu cette fois dans le jeu. J'ai un peu galéré à trouver des matériaux essentiels. Et maintenant que je les ai, let's go. Ah, ok. Un composant de mon corps est proche. C'est quoi ça? Port en fleurs.
Bah j'ai ramassé l'espoir en fleurs. Oh, c'est sympa, j'aime bien. On dirait presque de la végétation extérieure, mais sous l'eau. Comme si c'était un arbre, là, avec une sorte de saule pleureur. Et que là, des petits champignons, des buissons. Par contre, est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais respirer pour éviter de mourir, genre? Parce que là, c'est un peu compromis, quand même, hein. Je pense que oui. Mais je vais aller respirer. Histoire de faire ce truc de mortel un peu nul. Et... il est où, mon tracteur? Il est rouchant, là-bas. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Je sais, mais me stresse pas. Ouais, ça me faisait penser à du benzène aussi. Tout à fait, tout à fait. Oxygen. Alors, je vais peut-être me foutre un endroit un peu plus attique. Oh, oh punaise, j'ai soif. Ça me fait penser aux cavernes de Deep Rock Galactique avec des couleurs fluo et tout. Ah, j'ai pas vu trop, moi. J'avoue que j'ai pas trop été hypée par Deep Rock Galactique et Deep Rock Survivors. Du coup, j'ai pas trop vu les jeux. Même si en vrai, ça a l'air sympa. Mais ouais, dans les grottes, dans celui-là, il y a vraiment des décors très très cool. Bon, dans le premier aussi. Mais je trouve que ça va plus loin dans le deuxième. Ce qui est logique. Enfin, le deuxième. C'est pas un deuxième jeu, c'est un 1.5. ,90% d'oxygène, ça va. Enfin, pas pour 90. Oh non! C'est quoi? Ah, c'est ça, c'est la plante! C'est vrai que. Ah, mais c'était la plante qui m'avait piégée la dernière fois, je savais pas. Oh la relou! Il y a forcément un endroit où je vais pouvoir ne pas mourir. Il y a forcément un endroit pour me permettre de respirer quand même. Allez! Trop beau celui-là. Allez, je vais remonter, je crois. Oh non! Putain, la sauce! Putain! Je suis très loin, en fait! Ça va le faire, on est large. Trop facile. Ok, je vais me mettre un peu ici. Large. Une ou deux secondes. Une deux secondes de trop, finalement. Quel enfer. Ok, je vais voir où en était mon stockage. Il y a forcément un endroit où je peux respirer. Je peux pas croire autrement. Fait que je scanne un truc, je crois. Un petit poisson. J'ai pas le temps de voir. Alors, faut que je fasse gaffe aux plantes parce que je ne les vois absolument pas. Toi, je t'ai scanné. Ah, là, il y a de la lumière. De la lumière due aux plantes. Donc, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Le ruby, je prends. Le diamant, je prends. Allez, je tente un peu. Thank you.
je repars. Je cherche des bulles d'oxygène, des trucs comme ça. Non ! Je t'en supplie, laisse-moi ! J'ai tendu, hein. Ouais, ouais, là, j'ai pas fait n'importe quoi. Mais ça m'étonne de pas avoir de fleurs d'oxygène. Oxygen. Je vais continuer à m'avancer un petit peu, hein, ici. Je vais le mettre comme ça aussi. Histoire d'avoir accès à la porte plus vite. C'est plutôt la spore en fleurs qui me gobe que l'inverse, hein. Quoique non, c'est une autre plante qui m'attrape, mais je sais pas laquelle. Je sais pas si je l'ai scannée d'ailleurs. Attends, il y a des bulles là. Oh. Ah si, c'est ça. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Déconnez ! C'est dur d'explorer ici, hein. J'essaie de m'éloigner autant que je peux, mais c'est chaud. Faut que je rentre. C'est où la maison? On va dire que c'est par là. Oh, c'est vert, j'avais pas vu. C'est pas par là. Merde. Oh, ouais, j'ai scanné le teaser. Je pense qu'il va me falloir un peu plus d'oxygène ou quelque chose, parce que là, je peux à peine aller visiter, quoi. Excuse-moi pour frapper la plante. Ah mince, je savais pas ça. Bonne nuit, des bisous. Oxygen. Je pensais même que j'avais loupé un bonne nuit à toi, je me disais, vu l'heure. Du bisous. Petite Antémonia. Jouer avec Royal. Ah, c'est cool. Eh ben, bah très bonne nuit. Et à tantôt. Bon, je refais un petit tour histoire de voir si j'ai loupé quelque chose d'important, mais. Allez, à plus tard, Bernard. Voilà, exactement. Mais, je sais pas. Il n'y a pas de magnétite en tout cas ici, on dirait. On dirait. Ah, je refile. Je raterrais encore ici. Ah. Oh, du nickel! Mais j'en avais pas eu encore. Ah, il y a du nickel ici. Ça va que j'en chope un tout petit peu quand même avant de partir. C'est nickel. J'en ai eu qu'un. Pas dingue. Ça, c'en est un, ça. Bon bah je vais rentrer, parce que je peux toujours pas explorer la zone convenablement. Et on va l'explorer ailleurs.
c'est vrai. C'est vrai, tu fais bien d'en parler en thé. Il y a des events sur le Discord qui sont organisés pour la fin de semaine. Vendredi, samedi, dimanche, n'hésitez pas à checker. Vendredi notamment, il y a un codename qui est prévu. Vendredi ou samedi? Vendredi, je crois. Et deux watch parties. Allez donc voir. Ça peut vous intéresser. Bon bah j'y retournerai plus tard. J'ai eu un peu de matériaux, c'est bien, mais... Mais là c'est un peu trop galère l'explo, je suis trop limite tout le temps quoi. Mais on a d'autres trucs à explorer donc c'est pas très grave. Ma base. Je vais rentrer pour poser mes affaires. Et je pourrais aller soit à l'artefact, soit encore le gros trou. Soit à origine de l'appel de détresse extraterrestre, pourquoi pas. Pas trouvé de magnétite. Vendredi Conheim, samedi voyage de Chiro. Oui, ça. Et dimanche Fallout. Dernier épisode. Voilà, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Bon, j'ai vu qu'il y en avait un deuxième, mais c'est histoire de... Je sais pas. Histoire de... Hein, quand même. Ah non, c'est vrai qu'il y a plus de ressources. Hein. C'est vrai, regardez ça. C'est assez ouf. Oh, mon inventaire plein, et ben je m'en vais. Ça va, le son du jeu est pas trop fort. Moi je l'ai mis un petit peu bas pour moi, mais peut-être un peu plus fort pour vous, donc n'hésitez pas à me dire si c'est trop fort. Moi j'aime bien qu'on entende bien les bêtes. Mais vu l'heure, ça peut vous saouler. Donc je peux mettre un chouïa moins fort. Oh, c'est joli. C'est vrai que le lithium, au moins, j'en aurais vraiment très proche de moi. Et ça, c'est trop bien. Et du coup, je pense que je vais aller à l'appel de détresse après. N'empêche que ça a pas été dingue. Mince, le chat est un peu grand et un peu omniprésent. Je vais peut-être l'enlever, non? Je viens de me rendre compte. Merde. N'empêche que ça a pas été non plus... l'escapade de ouf, pour le moment. J'ai pas débloqué grand chose en allant... La même température qu'en Belgique. J'ai voulu faire la vanne et je me suis dit je vais paraître trop lourdingue. Mais oui, j'allais dire oh, on dirait un été en Belgique. La météo. Donc ouais, j'ai complètement failli la faire, ouais. Ouais. Mais oui, je vais peut-être enlever le chat un peu, j'avais pas fait gaffe. Après c'est d'enlever le dé, il y est resté tout le temps. Là c'est peut-être un peu chiant. Voilà. Histoire de, je sais pas, d'être un petit peu plus dans l'immersion. Ah, de l'eau. Ah mince, mais c'est vrai que faut que je vide mon inventaire. Tac tac tac. Non, pas ça. Le nickel, oui. Là, je vais mettre ça, ça. Ça, ça. Ça, 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 ça. Là, je mets ça. Là, je mets ça. Et après, dans cette armoire-là, je vais peut-être mettre des trucs comme ça. Hein. Pas le plus pratique, mais bon. Ok. Il faut que je bouffe. Ah, mais il n'y a plus de pile, mon machin. Bah oui, tu m'étonnes. Je l'ai tellement utilisé.
Avec une pile? Ah oui, tu, j'avais peut-être enlevé l'autre. Ah oui, je peux les planter les champis, ouais, c'est vrai, c'est pas con. Bah oui. Et ça, sport servant à la production de matériaux avancés. Ok. Oui, oui, tu as raison. Tu as tout à fait raison. J'oublie qu'il y a cette strat qui existe. Est-ce que ça me heal quand je mange ça? Chaleur corporelle, je... Ah non, ça n'a pas l'air de me heal. Non. Je crois que si je me fais un truc comme ça, ça me heal. Je crois. Ouais, ouais, mais je taperai dessus plus tard, effectivement. Quand ils auront poussé. Ah non, ça me heal. Faut le nourriture et eau, ça soigne. Ouais, mais alors il y a un truc que j'ai mangé tout à l'heure qui me healait en même temps et je sais plus ce que c'était. Je sais plus du tout. Pas bien important. On est comment niveau batterie? On est bin. Bon, très bien. Parfait. Et faut que j'aille. Bah là-bas, hein, je pense. L'appel de détresse extraterrestre. Quoique. Je pense que ce sera un peu loin. Et ouais, temps de faire une bouteille en haut, je pense, ouais. Faudrait peut-être que je me fasse de la bouffe séchée aussi. Je vais me faire un petit truc. Oula. Pardon, ça fait trop de bruit. Excusez-moi, je m'attendais pas à faire autant de bruit. Désolé, vraiment. Ah, je l'avais pas encore ramassé, ça? Ah, d'accord. Bah, je pense. Tu as déjà fait l'appel de détresse? Bah, il me semble bien bas, moi. Donc, je pense pas, hein. Il me dit rien. Ah, si, bah, si, je suis con. C'est là où je suis allée chercher. Parce que je pensais que c'était un autre endroit, mais. Non, regarde, il est nouveau. Ah mais j'y suis allée sans avoir été appelée, je crois. Attendez, je vais aller voir. C'est ça que tu récupères Alan, t'es sûr hein? C'est celui-là. C'est pas un autre appel de détresse extraterrestre. Parce que... J'y suis allée sans appel, je crois. Je suis allée voir Alan sans même qu'il m'appelle, je crois. Je sais pas, peut-être que le signal il arrive au bout d'un certain temps de jeu. Si t'y es pas allé. Même si t'y es allé du coup. Bah écoutez, je vais aller voir. Je vais aller voir. Là-bas. Parce que ça me semble assez profond. Et est-ce que je serais allé aussi profond? Peut-être. Hein. Je vais y aller et on en aura le cœur net. Mais je me suis demandé si c'était pas autre chose. Ah oui, c'est vrai! Oui, oui, c'est vrai, j'ai vu clignoter. Non, mais t'as. Oui, je me rappelle maintenant, Osrek. Effectivement, j'ai vu clignoter et j'y suis allée. J'ai vu clignoter des lampes extraterrestres et j'y suis allée. C'est ça qui a fait que j'y suis allée. C'est vrai, c'est vrai. Tout ça fait ça. Non, mais là c'est autre chose alors. Je pense que là c'est autre chose. Ça me semble trop profond. Signal qui retentit en permanence, c'est SOS. Oui, oui, bah je l'avais compris sans même connaître le morse, je t'avoue. Vu que c'est le seul code que tout le monde connaît et que ça se répétait 3 par... Enfin... Oui, 3 par 3. J'avoue, c'est le seul que je connais. On va aller voir. Peut-être carré d'amanite. Maintenant que j'ai mon module. Ah!
sais pas par où aller, je sais pas comment faire. Je trouve une teugro. C'est une teugro ça. Non, pas du tout. Coucou Eden Life. Ah. Oh. Non, bah pas coucou. C'est ça, regardez, ça clignote. Ça va être ça, hein. Oh non, mais j'ai déjà. Et je me suis dit, je sais pas, ça ressemble à un petit outil. Ça clignotait plus après avoir chopé Alan. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Bon, je vais essayer d'y aller. Maintenant que je peux un peu. Mais attendez, je retourne au signal là, non? Ah non, dernière position du pilote. Non, c'est bon. Je pensais que je retournais même à cet endroit là. Les gars. Ok, je vais me poser. Je vais te poser ici, tiens. Et je vais éclairer vers là, et voilà. Alors, ici, il y aura un signal. L'architecte. Oui, il faut que je fasse ces trucs de l'architecte aussi. C'est la position du pilote. Origine de l'appel de détresse. Mais c'est au-dessus de moi, ça m'arrange plus. Je comprends plus rien. Ah, un module de stockage. Cool. Du diamant, je prends. Du lithium, c'est pas de la magnétite. La magnétite, c'est pointu de toute façon. L'avantage, c'est qu'au moins ici, je peux me promener et. Ah non, c'est vrai que niveau ressources, c'est vraiment beaucoup. Je peux me promener. Même en étant un petit peu loin de mon vaisseau, parce qu'il y a ça. Oh, mais il y a ça aussi, c'est relou. Est-ce que je l'ai scanné ça? Oui, je t'entends, je me casse. Bah, j'avais pas scanné cette putain de plante. Oh, tous les diamants, c'est n'importe quoi. Je n'ai pas besoin d'autant non plus. J'en prends un peu, mais je vais pas tout prendre. Hein. Voilà, c'est bon. Vais-je mourir? Peut-être si... Mais... Peut-être si je chope pas ça. Il est où mon vaisseau? Il est là-bas. Mais attends, il est où l'appel de détresse? Ah oui, il est au-dessus de ma tête. Faut que je remonte. Ah, allez, tu vas. C'est beau, n'empêche, ouais. Cette zone est assez cool, ouais. C'est assez plaisant de s'y promener. Bon, sans les petites plantes, ce serait mieux, mais... C'est parti du folklore.
On va aller un peu plus haut. Ah, je me cogne vraiment beaucoup. Bon, ça va, ça. 86%, ça va. Mais je peux pas circuler comme je veux, quoi, ici. Attends, je répare. Ah oui, deux fragments, ouais, ouais, mais je vais les trouver. De toute façon, en vrai, pour le moment, c'est pas prévu de vraiment agrandir mon... Enlarge my... my tracteur, parce que... Je galère déjà à me faufiler comme ça, là, si je l'agrandis... ça va être trop galère. J'aime trop la mobilité des petits sous-marins. Ça me saoule tellement quand ils sont balèzes et qu'ils rentrent plus nulle part. Voilà, exactement. Descendre, mais je risque de pas pouvoir atteindre le coin. C'est là-bas, mais c'est pas si loin. Mais après, je sors de la faille, donc je pourrais pas y aller. Je vais voir. Ah, par là, c'est pas mal. Je me cogne tellement partout. On dirait moi dans la vraie vie. Il est où là le signal? Non, c'est pas celui-là. Il faut être dessus. Ouais, il est pile en dessous. Ah! Ok. Je trouve un passage. Hein. Ah, ça me donne le tournis, il me retourner dans tous les sens. Ouais, non, mais après, bah, je pourrais pas descendre. Hein. Faut vraiment que j'aille autour. Bah, j'ai tout scanné dans le dos, il y a une bébête que j'ai jamais réussi à approcher assez longtemps. Ah! Oui, je trouve aussi qu'on meurt plus facilement. Enfin, en tout cas, les mobs nous font plus mal. En tout cas, les léviathans. Et ils sont un peu plus vivaces. Je trouve par où passer, mais ouais, j'étais plus proche, j'étais à 300 mètres, c'est vrai. Oui, oui, mais bon, le souci, c'est que je sais pas par où passer après. Ah, mais c'est ici. Bah si, en fait, c'est là où il y avait Alan, hein. Je vais aller à Pince, mais c'est là où on a pécho Alan. Ça clignotait. Ok, j'ai rien dit. C'est ça. Ah oui, si, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, bah j'ai plus rien à y faire ici. Je vais m'assurer d'avoir tout pris quand même. Et tout scanner. Il y a un seul appel de détresse, ouais, je m'en rappelle pas. Et j'étais étonnée qu'il me l'indique. Alors que je sais, hein. J'avais fait le tour au cas où. Au cas où, au cas où. Enfin, il n'y a rien à regarder, je crois. Donc je suis là. Alan, quand on l'appelle, il est très sympa qu'il ait trouvé. Ah, il était très stressé que je le trouve pas. Il a spammé.
Mais bon, avec le décalage du chat, tu vois, bah je vois ses messages maintenant alors qu'en fait Alan il est déjà avec moi. Finalement. Petit troll cet Alan. Ah, c'est un paniqué, je pense. Ok, et ben let's go. Je vais pouvoir l'enlever ce message du coup. Mais je voulais en avoir le crédit. Voilà. Voilà, voilà. Et ben. C'est bien. Merci. J'étais plus forte qu'il pensait. C'est vrai, il avait pas confiance en moi. Hein. Vous avez confiance en moi, vous? Moi, ça dépend. Hello, week-end. Alors, c'est super, du coup, j'ai ça... Locke, c'est la meilleure. Ah oh bah, ça, on le savait. Merci. Bah, sinon, je vais faire les artefacts d'architecte. Architect. Parce que le premier, je l'ai eu sans même le vouloir, je voulais explorer une zone et naturellement j'y suis allée. C'est un peu fort, je crois, les alertes. Je les ai un poil baissées, mais pas beaucoup. Ça a dû vous réveiller. J'espère que ça va. Bah oui, toi ? Ouais, ça va, ça explore tranquillou les fonds marins. Ça s'endort dans le chat. On est bien. Je fais le calme. Ah bah celle-là, je suis vraiment pas loin. Pardon, les poissons. Et toi, ça va, petit Étienne? Ça passe, ton été? Ça se passe? C'est ça, vous avez eu un monsieur poil Léviathan. Ah, vous le verrez qui c'est celui-là. Señor Puel. Par où je vais? Par là peut-être? Ça semble adéquat. Oh, je vais trop vite. Si, ça a l'air bien là. Après, il me faut un autre trou. Voilà. mètres, c'est un peu long encore. Je me suis enfoncé dans une faille trop tôt, je pense. Je me suis enfoncé trop tôt. Ah, c'est souvent mon problème, ça aussi. Tiens, je fais ça pas assez fluidement. Bref, il me faudrait que je fasse ça avec de la fluidité, je pense, à un moment. Hein. Je pense que ce serait pas mal un peu de... de fluidité. Ouais, pareil, ça je me dis ça souvent. Je vais y arriver. Alors que je me fasse une macro, je crois. Bon, alors c'est super, mais je m'éloigne. Il était au même niveau quand t'étais dans le biome mauve. Le mauve. Biome mauve. Le mauve. Ouais, d'accord, mais... Faut que j'y accède après. Je vais essayer par là. Ouais, j'y crois moyen. Qu'est-ce que c'est ça? Non, j'ai déjà. Ouais, tu... Mais il faut fouiller ma bonne dame. Bien sûr, mais je fouille un max, hein. Je fouille, je trifouille, je tout fouille. Il faut que j'y retourne au biome violet alors. Biome mauve. Mince, c'est pas le bon, il est là. Ouais, mais faut que j'y accède au biome mauve. Le biome mauve, il est pas facile d'accès au biome mauve. Regarde, je suis pas au bon endroit. Il est où le biome mauve?
Ah si, j'y vais là. Là, j'y vais là. Voilà, j'y vais là. Attention, ça va cogner. Ah, j'y arrive pas. Ah, oui. Où est le bas? Ah, j'ai paniqué un peu. Ouais, bah Pikachu, on l'appellera quand j'aurai fait une macro. Pikachu. Pikachu. Y'a même marre, c'est pas chuté, y'a même marre. Je vais mourir. Ah bah tiens, y'a des trucs à scanner, ça tombe bien. J'y sais pas. Ah non, c'est module de fabrication, je m'en fous. Je pensais que c'était l'autre truc. Et soit froid. Trop bien. C'est ça. Conduit hydrothermal. Hein? C'est ravissant. Architect. On n'est pas. Ah mais j'ai pas. Il faut que je trouve un petit chemin qui m'y mène. Mais est-ce que ça m'y mène? Ouais, peut-être. Ok. Ah, il y a une grotte là. Mais elle descend encore. Je suis presque à 400 mètres quand même. Ah, mais c'est d'où je viens? Ding. Un bruit bizarre. Ah mais c'était ça le bruit bizarre. J'explore tellement au pif. En même temps c'est de l'exploration, j'ai envie de dire. Non non, dégage. Putain, j'ai dit dégage, putain. Est-ce que je peux régler un peu le fauve? Ou pas, j'aimerais bien reculer un petit peu. C'est champ de vision vertical et horizontal, c'est ça? Non, non, non! Ça me semble pas mal là. Ouais, ça va là, je pense. J'ai pas eu le temps de faire clic gauche parce qu'il y avait des petites plantes qui allaient me buter encore. Hein. Bah, c'est pas là, hein. C'est chiant d'essayer de me trouver me frayer un chemin. Ok, là je suis à la bonne hauteur. Peut-être qu'il va y avoir un petit tuyau.
ça c'est ce que j'ai déjà fouillé, moi je vais retourner. En tout cas, pas de magnétite ici. Ça a l'air compliqué. Ouais, là, c'est un peu chiant, là. J'aurais pu donner chemin à l'âne, ça aurait été sympa. Mais Alan déjà il m'envoie des faux signaux, alors Mendoné. Le mec il est littéralement dans ta tête mais il t'appelle en disant j'ai un souci, tu veux bien venir me chercher à tel endroit? Bah j'y suis allé. Il y a un problème avec mon train, tu veux venir me chercher? Non, Alan. Ça suffit, Alan. Bah, je sais pas où c'est, hein, je galère. Oh, putain, mais stop. Ça me fait mal aux yeux. Ah, mais c'est par là. Ah, mais c'est là d'où je viens en plus. Ah, mais c'est toi. Et. Ok. Je tente. Il n'y a pas un autre chemin à partir d'ici, vraiment? J'ai pas l'impression. Hello Asmo! Peu de fraîcheur, bonsoir. Oh bah ça va, de la fraîcheur, ouais. Ça j'en ai pas mal, ça va. Ça va. Il a dû faire 16 degrés aujourd'hui en Belgique. Non, ça va franchement. On est bien rafraîchi, hein. Ça y a pas de problème. On est que rafraîchi en fait. Je ne suis que fraîcheur. Tu as vu la manette Deadpool avec son fessier? Ouais, j'ai vu, ouais. Ça doit être un peu chiant en vrai à tenir. Oh punaise, c'est ici, je pense. Mais ouais, j'ai vu. C'est un peu rigolo. On est pas mal là. Mais on est pas mal du tout, putain. Oh no, je suis dans ce genre de grotte. Ça me prend la tête, je m'en vais. Je pense que je vais faire l'autre signal. Hein. Oh, ça me saoule! J'en peux plus. Nintendo, je te l'amène avec Poké, j'en dis pas plus. Ouais, mais ce serait des énormes boules à la place d'un cul. Pikachu, venez jouer avec mon joystick. Punaise, j'aurais dû le faire avec sa voix, mais j'ai eu la flemme, j'avoue. Honte à moi.
le merch vraiment très cursed quand même. On a plus de musique depuis tout à l'heure tellement je fais rien d'utile. Tellement le jeu il en a marre de ma gueule. Je vais aller voir l'Otignal et puis c'est tout. Je vais voir ce que c'est ça, c'est un module de stockage. Coup de génie, la manette Deadpool. Oh, de génie, peut-être pas, hein. C'est littéralement rajouter un cul quelque part, tu vois. Mais c'est un peu rigolo. Il est 3h du matin, on lit tout le monde, c'est vrai. Il va falloir que j'y réfléchisse. Mais j'aimerais bien faire un truc bien là. Là j'ai rien fait d'utile. J'ai l'impression... Ça saoule. T'entends les oisillons, ça saoule. Enfin si, j'ai bien avancé aujourd'hui. Mais pas beaucoup dans l'histoire. Mais là, je vais pouvoir enfin y aller là-bas. Là-bas. Oh, oh, des trucs à scanner ici. Non mais j'avais déjà ramassé des trucs là. Même un petit caca que j'ai laissé. Je vais tout réparer, tiens, je pense que t'as besoin. Ça va. L'été avec la chaleur, je suis partisan du sommeil polyphasique. Ouais, c'est-à-dire tu dors les quelques secondes où t'as pas trop chaud. Mais t'as vraiment chaud là, remarque, t'es peut-être dans le sud, toi. Parce que nous, non, ça va, hein. Bonne nuit, petit infernalute. Bisous. Allez, à plus tard, Bernard. Exactement. Je viens d'un concert, j'ai traîné sur mon andy avant de venir sur ton stream. Wesh, c'était quoi le concert? C'était bien? C'était pas ouf? C'était super? C'était extraordinaire? C'était extraordinaire comme un film de la Love Télévision? Comment ça? Bâtard! Chaud aussi. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Bah je m'en vais. Loin de l'autre là. C'était cool du reggae, Grundation. Ah je connais pas. Je connais rien en musique. C'est pas... Ok, bah j'accepte ton excuse pour le fait de pas avoir été là, même si ça me semble un petit peu pas ouf. Trop profond, oui. Il vient sur moi, lui, encore? Eh, j'y pep, hein. J'ai amélioré mon truc, mais ça me sert quasi à rien. J'y aime peu plus. Je suis obligé de me mettre loin pour pas qu'il le dégomme. L'autre psychopathe là. Connu mais dans le milieu du reggae, ouais, ok. Bah ouais, je sais, moi qui m'y connais très très bien.
Non, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Non mais il me repère de fou par contre, c'est abusé. Genre il a rien d'autre à foutre. T'as commencé cet endroit après avoir connu l'état de subsistance, non. Super, je suis contente pour toi, Alan, c'est super. Non mais je fais ce que je peux, mais au bout d'un moment, faudra que tu me donnes des technos un peu utiles. Je t'en supplie, Alan. Un effort. Artifact Architect. Un casier quantique. Ah. Un coffre de laine de quoi. Y'a pas de magnétite ici vraiment. C'est trop aigu. Y'a pas de magnétite ici vraiment. Si, non pas du tout, c'est du diamant. J'avance pas au rythme où je voudrais. Je suis à quel truc? C'est K8. Bon bah je me dis. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Mais oui, j'ai oublié. C'est dead je l'ai par contre hein. Oxygen. De toute façon il va me buter avant que j'arrive. Mais là, bon, j'en peux plus aussi. J'ai quoi sur WAM? J'ai les deux cubes, donc c'est bon, j'ai scanné. Ouais, ok. RIP. Oh, mais c'est bon, j'ai scanné. Je m'en fais, je m'en fais. C'est pas justement les trucs que j'ai fait tomber parce que je suis morte. Ouais, c'est ça, hein. Ça va, la mort est pas trop punitive. Je préfère. C'est chaud de mourir, bah. Ouais, ouais, un petit peu. Je dirais qu'il y a un côté un peu contraignant à la mort. Qui, moi, m'agace. Un petit peu. Un truc que je pourrais faire avec la profondeur, vider la mer. C'est ma solution. Merci Osrek. T'as fait, ouais. Il semblerait, ouais. J'en ai mort. Mais comment j'avance là, bordel, bordel à cul. Et pas à queue, ça veut rien dire. Alors que bordel à cul, ça c'est bien. Mais Mireille, c'est chiant la mort. Ouais, j'ai pas envie de pratiquer perso. Je comprends pas les gens qui meurent. Je trouve que c'est pas une super manière de vivre en fait, mais... Mais bon, il y a des gens qui ont des délires chelous. Hein. J'imagine que si on a autant qui le font, c'est qu'il y a un intérêt. Enfin moi j'ai choisi de pas mourir. Y'a quoi ici? Y'a de la magnétite, hein. Je crois pas. Ça se ramasse, ça? J'ai pas l'impression. Non. Amarrage, mais j'ai déjà ça, non? Ah non!
sûrement du matos que j'ai pas non plus ici quand même. Je peux aller encore un peu plus bas, alors j'y vais. Donc on pense à l'emplacement de mon corps, oui, bah 2 secondes. I will provide a signal. Signal location uploaded to PDA. Uploaded to PDA. Bah c'est super, mais est-ce que je pourrais avoir de la magnétite en plus d'un upload sur mon PDA? Hein? Ou est-ce que c'est toujours chiant? Ou est-ce que je suis condamné à vivre que des trucs chiants? Ouais, j'ai trouvé un artefact, quoi. C'est quoi ici? Bon bah ça doit être bien. Voilà, j'ai eu un truc. Bon, si j'avais dû avoir un matériau quelconque ici, je pense que je l'aurais déjà trouvé. Donc je vais m'en aller. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ça va. Si on peut plus arpenter les terres et qu'on doit vivre sous l'eau, moi j'y banco. Comment est-ce qu'il pour fonctionner avec un corps si vulnérable? Excusez-moi, je suis désolée, mon corps il est pas inférieur. Je m'entraîne durement. J'ai fait de la muscu et de la zumba. Alors je te laisserai pas dire. Sa forme n'est pas idéale. Prends des articulations sphéroïdes primitives, par exemple. Ouais, et puis en vrai. Prends les poils d'aisselle, genre. Est-ce que c'est pas une preuve qu'on a comme. Notre corps, il a rien compris? Le pouce opposable, une chose admirable. Mon corps est à moi, je l'aime. Il a grandi avec moi. Les humains n'ont qu'une vie. Nous plantons des arbres dans l'ombre. Ça ne protégera jamais du soleil. Peu des trucs. Non, mais je le répète, inefficace. Après, meuf, t'aurais pu juste répondre, bah en vrai, on n'a pas le choix, tu sais. Genre, on est dans un corps et on n'a pas trop le choix d'en sortir. Parce que le gars, il demande, comment vous faites pour vivre avec un corps aussi tout pourri? Et tu lui dis, bah je sais pas, j'ai pas trop eu d'alternative dans ma vie. En plus, tu respawns pas à la mort. Alors qu'il suffit. Un totem d'immunité, d'immortalité au pire. Ouais. Petite pierre de foyer là, quand ça va pas. Faut vraiment chouette les dialogues avec Alan. Je sais pas, je les trouve un peu superficiels personnellement. Un peu en surface. Mais c'est mignon, ça rajoute un petit peu de vie aussi à notre personnage, un peu de caractère, ce qui est ce qu'il n'y a pas du tout dans le premier. Mais on va, voilà, on va voir tout de suite le truc de, je me rappelle plus, hein, mais de, à la fin il va se dire qu'il se rend compte que même les formes de vie primitives peuvent apporter quelque chose parce que finalement on apprend des autres, machin. Voilà, c'est un peu, bon. On est sur la, le
le duo classique de on n'est pas trop fait pour s'entendre, mais finalement on va apprendre chacun de l'autre et ce sera trop beau. Et j'avoue, voilà, un peu. C'est vrai que c'est un peu superficiel ce type de duo, mais parce que c'est du déjà vu et c'est pas très et en plus de pas être très original, on voit à 1000 km venir le moindre de leurs interactions. Mais c'est bien d'avoir un petit peu de dialogue et de vie pour nos persos. Et salut Cruzal. Et coucou, c'est qui? C'est Tibentop, j'ai pas vu, c'est Tibentop. Il est plus dans la compréhension, je trouve, c'est ce qui me plaît. Mais ça n'a pas de sens qu'il soit dans la compréhension. Il vit constamment, enfin... Je veux dire, il vit sur une planète où il y a plein d'autres formes organiques qui sont juste un petit peu moins évoluées que les humains. Et genre, dans ce cas-là, pourquoi il se pose pas la même question de comment font les pingouins pour survivre alors qu'ils n'ont pas de pouce opposable? Comment font les poissons pour survivre alors qu'ils peuvent pas respirer à l'extérieur de l'eau? C'est sa question, je trouve que du coup, elle est un peu con parce que ça veut dire qu'il a jamais analysé le monde pourtant qu'ils analysent les architectes, en fait. Donc je trouve que, voilà, je trouve ça un peu superficiel. J'avoue. Prends l'humain pour un animal de foire. Oui, bah ça, on peut pas lui reprocher pour le coup. Mais c'est surtout que il compare pas l'humain aux autres espèces, pourtant il vit avec plein d'espèces. Je pose sans doute la question, mais il n'en parle pas avec la protagoniste. Bah c'est un peu... En fait, pour des êtres qui pourtant cohabitent parfaitement avec la planète, ont forgé des technologies de ouf et tout ça, prêtes à résister à plein de choses, machin, qui se posent la question de comment ils font pour vivre comme ça. C'est tellement... Enfin... Je sais pas, j'ai envie de dire que c'est pas... Ça veut dire que son espèce a très peu de curiosité pour une espèce très évoluée qui fait pourtant des technologies très adaptées à cet univers. Ça a pas de sens. Genre c'est vraiment le premier truc que tu te demandes quand tu veux comprendre un truc, c'est te dire bah comment ça fonctionne. Et du coup je trouve ça trop superficiel, comme s'il découvrait sa propre planète finalement. Parce que en soi découvrir l'humain, le fait de se demander comment l'humain fonctionne, ok, mais le fait de poser une question du style comment tu fais pour vivre avec le corps qui a des défauts, bah, c'est comme toutes les espèces, comme toutes les plantes là où il vit en fait. C'est bizarre comme manière de penser. Dans ce cas-là, bah, il a pas fini de se poser des questions. Hein. Et moi, je trouve que du coup, ça fait vraiment des questionnements d'un être qui n'a même pas l'air de vivre sur sa propre planète, quoi. Tu vas pouvoir faire le cube. Ah ouais, c'est vrai. Je peux faire le cube. D'où la sensation de superficialité de ces dialogues. Ce n'est pas sa planète. Ouh, enfin, ils y sont depuis un petit moment, quand même. Je pense que s'il y a plein d'artefacts aux quatre coins de la planète, bon, j'abuse pas de la planète, mais de la zone, c'est que quand même son espèce les y a posé là, quoi. Espèce qui, d'ailleurs, là, par exemple, on a vu un artefact architecte juste avant, ils étaient en train, c'était un extracteur de fossiles qui analysait un fossile. Et je parle pas du truc pour les dieux. Et du coup, bah, voilà encore une fois, sa question n'a pas de sens par rapport à leur recherche qu'ils faisaient déjà. Limite, qui demande comment fonctionne un truc, plutôt que de poser la question bête de « Comment vous faites avec un corps aussi nul ?» Parce que là, pour le coup, c'est très superficiel. Il n'est pas un individu, c'est un concept étranger à lui. Non mais d'accord encore une fois, mais ce que je dis ne change pas le fait que ça fait vraiment comme si encore une fois il découvrait la les bases de la planète où il a vécu et où son espèce a foutu plein de bordel aux quatre coins et pourtant analyse, on croise des labos tout le temps et tout. Vraiment sa question elle est trop basique. Donc et c'est un peu ça que j'avais tout le temps en fait, je me disais il est pas fut-fut hein, le Alan quand même. Il est pas curieux du monde quand même. Hein. Donc voilà, je trouve ça mignon, mais je trouve ça pas très recherché. Par contre, je voulais aller chercher un truc et j'ai oublié ce que c'était, parce que si tu sais, j'oublie. Je ne vois vraiment pas ça comme ça. Ouais, ok, pas de soucis.
Et vous savez, hein, j'adore le jeu, mais ça m'empêche pas de voir ses défauts. Hein. Oh, j'ai tout ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, c'était le cube. Et le cube, je voulais faire ça et je voulais foutre. Mais j'ai hésité. Mais je vais le foutre là-haut. Et je voulais aller chercher circuit intégré, titane, diamant, plomb. Circuit intégré, ça va être chiant à faire. C'est chiant, circuit intégré. Ah, mais j'ai plus beaucoup. Attends. Échantillon de corps et plat. Oh. Là, je trouve pas que ce soit un défaut. Moi, je trouve que c'est pas. En fait, j'ai pas dit que c'était un défaut. Je trouvais que c'était superficiel. Mais j'ai dit aussi que c'était bien qu'il y ait du dialogue. C'est un petit peu dur. Basique. Mais c'est toujours mieux au niveau dialogue que le premier jeu qui n'en a pas du tout. Titane, est-ce qu'il m'en reste un peu? Ouais. J'ai pas vu combien il en fallait. Je crois que c'est à peu près ça. Ah non, du diamant, merde! J'ai pris de l'or à la place du diamant. Lignes toutes les deux heures. Un peu plus quand même. Et on passe à change d'expérience. Mais encore une fois, j'ai pas dit que c'était pas bien. J'ai dit que c'était pas parfait, mais il y a toujours une nuance entre le parfait et le pas bien. Car le monde n'est que nuance finalement. Tac, tac, tac. Ok. Bon, qu'est-ce que je fais avec ce cube? Je peux faire ma lame thermique, c'est bien. Réservoir très haute capacité, il me faut. Et j'ai, c'est du lithium, palme de charge. Bof. Amélioration de la profondeur. Ah, mais c'est cool ça. Ok, bah, va falloir faire ça. Va falloir faire ça. Mais je vais arrêter la VOD ici, des bisous la VOD. C'était très cool. On craftera ça. Et puis la prochaine fois, j'explorerai enfin les endroits qui me bloquent de fou. J'en ai marre. Des bisous. La VOD.